Kums ondergaat een echo vandaag, om te zien of hij vrees is er van een kleine verrekking misschien. Dus dat zullen we straks weten. Het is nu denk ik rond 1 uur gepland, die echo, dus ik weet er nog niks meer over. Waar ligt u? Het is in de dij, dus ik weet niet welke kant, links of rechts. Ouais. Deuxième mi-temps, elle a joué avec un bandage, mais voilà. Dan Markovic, c'est wachten nog, afwachten, faut attendre pour Markovic aussi. Faut voir si demain il sera prêt ou pas. Dat blijft ook een twijfelgeval. Dus we gaan vandaag, denk ik, proberen van hem iets te laten doen op training. En dan zien of er een reactie komt of niet. Maar het is nog niet 100-100. Duidelijk dat hij kan spelen. Dus er is nog wel wat twijfel, ook bij hem. Dus dat zullen we moeten zien. Theo heeft wel last aan sinussen en alles hier in het hoofd. Dus daar zijn we nu ook volop mee bezig om dat te proberen van de baan te krijgen. Maar voor de rest is iedereen fit. Dus, Najar is fit, traint mee. Dus we zullen zien. We zullen zien wat we met Najar doen of dat we hem al bij de selectie pakken. Hij heeft nog geen ene officiële minuut gespeeld in 2018. Dus ja, het is kiezen. Hè. Het zal een overweging zijn die we zullen maken na de training. Bonjour coach. Bonjour. Oui, mais c'est le football. Hein. Dans le football, tu sais que c'est pas toujours l'équipe qui joue le mieux ou l'équipe qui crée le plus d'occasions qui gagne le match. Hein. Donc il faut être efficace. Et ça nous a manqué un petit peu, aussi bien contre Gand que contre Bruges, que contre Standard. Finalement, contre Bruges, ça suffisait pour gagner. À Charleroi aussi, on a raté quand même quelques occasions, mais voilà. Si tu prends les points, tu es content. Maintenant, ça ne suffisait pas pour prendre des points parce qu'on a fait quand même, on a pris peut-être des buts évitables aussi. Ça nous a peut-être coûté un point ou même la victoire. Est-ce que contre Genk, justement, il faudrait être plus malin ? Un malin, si tu parles de malin, je dois dire qu'on aurait dû avoir un pénalty au Standard. Et vous ne saurez pas quel moment, je crois. Et moi, je ne le savais pas jusqu'au moment que j'ai revu les images, j'ai revu le match. Et j'ai vu que juste avant la mi-temps, il y avait une discussion, corner, un tacle de Carcela sur Saïf, corner, oui, tout le monde attendait le corner et l'arbitre ne donnait pas le corner. Et il avait raison, parce que c'est Saïf qui touche le ballon. Mais il est forcé de le toucher parce que Carcela tacle les deux pieds en dessous de Saïf. Et là, c'est notre faute, parce que si on est plus malin, on va acclamer un pénalty. Et Saïf, il est tellement respectueux vis-à-vis de Carcela, qu'il respecte qu'au moment que l'arbitre ne donne pas le corner. Et quand je lui demande pourquoi tu n'as pas dit que c'était... Je l'ai dit à Carcela, il dit. Oui, je dis, tu ne dois pas le dire à Carcela. Hein. J'ai dit à Carcela, hey, tu as de la chance, hein, parce que c'était pénalty. Hein. Voilà, ça c'est les joueurs d'Anderlecht. Hein. Si c'est un autre club, ils vont acclamer tout le monde, ils vont dire, oh, pénalty, et peut-être... Le VAR rentrera en mouvement et peut-être le VAR, s'ils vont vraiment regarder les images, ils vont dire il a raison, c'est pénalty. Mais nous, on n'est pas comme ça, donc ça, c'est un problème. C'est un problème. Moi, je peux pas apprendre à tes joueurs d'être plus malins. Hein, vraiment. Hein. Ou ils ont ça, ou ils l'ont pas. Donc, c'est pas évident d'être plus malin. Donc, moi, j'aimerais bien qu'ils doivent pas être plus malins. Ils doivent être corrects. Et si tu il y a une situation qui est en ta faveur, tu dois être correct, mais tu dois l'imposer, tu dois faire face à l'arbitre et dire, voilà, c'était pénalty, hein, et pas s'incliner et rien dire. Minimum, essaye d'avoir ce qu'il faut. Moi, je ne demande pas à mes joueurs de faire des plongées ou de chercher des choses qu'on ne mérite pas. Jamais je le fais. Mais si tu mérites quelque chose, là, on doit être plus convaincant. Ik denk dat Genk dit jaar thuis niet zo geweldig sterk was. Hè. Ik denk als je kijkt naar het parcours van Genk, ik denk dat ze meer punten gehaald hebben op verplaatsing dan thuis, denk ik.
Dus ik denk dat dat ook de reden is waarom ze zo lang hebben moeten vechten om in play-off 1 te staan. Oké, de laatste weken onder Clément is beter, denk ik. En loopt het zowel thuis als buitenshuis beter. Denk ik staat die ploeg een stuk sterker ook. En zie je dat er een positieve evolutie is. Alleen ja, blijven de punten een beetje achterwege op het moment in play-off 1. Maar ze hadden in Gent altijd moeten winnen. Hè. Dat is duidelijk. Daar hadden ze altijd de 3 punten verdiend. Maar ze hebben het laten liggen. Dus voor ons wordt dat een moeilijke wedstrijd. Want Genk gaat er alles aan doen om nu eindelijk 3 punten te pakken. En om dichter te kruipen bij de Europese plaatsen. Dus... Nee, je moet weten waar je naartoe gaat. Hè. Als wij een punt pakken, gezien de omstandigheden bij ons ook, dan moeten we misschien wel tevreden zijn. Hè. Het zal ook afhankelijk zijn van hoe evolueert de match en hoe komen wij voor de dag. Hè. Ik zeg het, het is ook weer heel snel voor ons. 2 keer op elkaar, heel korte recuperatie. Korter dan de anderen. Hè. Ik heb al gezegd over korter of langer, maar bij mij gaat het niet over korter of langer. Het gaat over 3 dagen of minder. Alleen daarover. Vanaf het moment dat 3 dagen is, is voor mij gelijk. 3, 4, 5, 6, 7, dat is allemaal hetzelfde. Maar minder dan 3 dagen, dat is een verschil. En daar gaat het om over. Dus, oké, het is nu zo. En ik zeg het, we hebben op standaard laten zien dat... Ja, dat we eigenlijk geen last hadden van die 2 dagen. Ik ga niet zeggen dat zich dat niet laat blijken. Als je kijkt naar de gegevens ook, dan zie je dat inderdaad qua prestaties, qua... loopafstanden, intensieve inspanningen, dat allemaal net iets lager ligt dan hetgeen dat je bijvoorbeeld tegen Club Brugge hebt gebracht. En dat is logisch, dat is niet onlogisch. Dus, Coach, on parlait de frustration tout à l'heure. Au standaard, Théo avait été très frustré. Il y a un moment sur la place du 2-1, il s'est même arrêté de jouer. Oui, mais je crois que Théo se sentait pas bien. J'ai parlé avec lui, il dit je me sentais pas bien. Je me rappelle presque rien du match. Vraiment, j'étais sur le terrain, j'étais pas sur le terrain. À la mi-temps déjà, il avait indiqué que c'était pas bien. Je lui ai demandé de donner encore 10 minutes tout ce qu'il avait en lui et qu'on allait le remplacer. Donc c'est pour ça que Gonvola était déjà en train de s'échauffer, prêt à rentrer. Mais finalement, à la fin, je crois qu'il s'est énervé un peu à la fin. Mais pour le reste, il se sentait pas bien. Il avait mal à la tête, il dit, il nous avait pas dit. Donc je lui dis aussi que la prochaine fois que ça arrive, il doit nous avertir qu'on peut prendre des mesures ou donner quelque chose, médicaments ou quoi que ce soit pour l'aider. Mais voilà, pour lui c'était un match, il le sait très bien, il me dit aussi, on a joué à 10, il dit, j'étais pas là. Et pourtant il a encore couru, mais il dit, j'ai pas bien couru, je sais pas si j'ai couru ou pas, je me rappelle presque rien, donc voilà. Espérons qu'on peut résoudre le problème parce qu'aujourd'hui il a encore mal à la tête, hein, donc ce n'est pas encore parti. Est-ce que vous disiez avant du fait qu'il faut parfois vous péter, etc. Parce qu'il n'y a pas assez de salopards, si on peut utiliser le terme dans l'équipe d'Anderlecht. Oui, mais salopards, c'est un grand mot. Hein. Moi je dis pas, il ne faut pas des salopards, il faut des gars qui s'ils sont dans une situation et ils sont convaincus que c'est une phase qui s'est passée. Dans notre défaveur, désavantage, voilà, qui doivent le faire comprendre, voilà. Au moment même, l'arbitre hésite. Tu vois, corner ou pas, il hésite. Si à ce moment-là, Saïef réagit tout de suite, il dit, hey, il m'a taclé, hein, c'est penalty. Hein. Les autres peut-être vont réagir aussi. Le bon aura et va voir que, ouh, il y a quelque chose, il y a penalty. On peut éventuellement demander au quatrième. Il n'y a pas pénalty, ils disent que c'est pénalty. Et ça met en route la machine. Voilà. Il y a le VAR qui est là. Donc le VAR est là pour le découvrir. Ils ont regardé le match, peut-être pas assez bien. Ils ne sont pas venus avec la phase eux-mêmes. Je dois dire qu'il n'y a eu qu'un ralenti. Et je peux comprendre que c'était peut-être pas assez clair pour ceux qui regardaient très vite le match sans faire vraiment attention sur les détails. En général, c'est plus un état d'esprit qu'il faut être un peu plus... Oui, mais ok. Je vois dans des autres clubs des gars qui le font bien, qui ont l'habitude de le faire et ça marche bien. Et je ne dis pas que c'est fait exprès, mais nous, on n'a pas ces types-là, hein. On n'a pas ces joueurs-là. Si on est touché, on continue. Je crois même que
si c'était un autre joueur, le ballon en retrait que Kipchou intercepte juste avant le gardien qui va presque dedans, je suis certain, si c'est dans un autre club, ils vont chercher le contact avec le gardien. Au moment que le gardien vient et tu touches le ballon, ils vont essayer de te... Nous, on essaie d'être pur, on essaie de ressortir la balle, certainement pas chercher le contact avec le gardien. Voilà, ça c'est les joueurs présents à Anderlecht. Je ne dis pas qu'à Anderlecht, il n'y a jamais eu d'autres joueurs. Hein. Dans le passé, il y a eu des joueurs qui sont malins à ce point-là aussi, mais pour le moment, on ne les a pas. Quelle est l'importance du match de Genk ce week-end par rapport à le contexte des playoffs? C'est-à-dire que là... Après Bruges, on s'est presque mis à rêver quand Derek va encore jouer le titre, on a presque, on a envie de dire, les supporters en tout cas. Et après la défaite du Standard, on se dit que le Standard maintenant revient sur la deuxième place. Dans quelle position vous êtes? J'ai dit que ce sera une bataille pour la deuxième place. C'est ce que j'ai dit. On est toujours dans le coup, même si on a laissé des points qu'on aurait dû prendre. Mais voilà, pour nous, c'est de nouveau un match important parce qu'il y a deux, il y a, disons, peut-être les trois plus grands candidats pour la deuxième place vont tous les trois en déplacement. Standard à Bruges, Genk nous reçoit et Gand va à Charleroi, avec Charleroi naturellement après le 6-0 d'hier. On ne sait pas ce qui va se passer là. Hein, donc, mais voilà, pour cette raison-là, c'est une journée importante. On doit essayer de rester en place avec les autres qui vont en déplacement aussi, de garder la même distance avec le Standard, avec. Grand, si eux ils prennent un point, nous au minimum on doit essayer de prendre un point. Et tout ce qu'on peut prendre de plus, c'est vraiment super. Si on peut faire un plus grand écart, c'est super parce qu'après on a encore trois matchs à domicile nous. Donc voilà. Mais ce sera difficile. Pour tous les trois, ce sera difficile. Un match en déplacement, play-off 1, c'est pas évident. Pourquoi coach le titre déjà fait? Oui, je l'ai dit dès le début. J'ai dit avant les play-offs. Hein. Il faut rester sérieux. Hein. Bruges a perdu deux fois, mais voilà. Ça veut dire que tu peux le reprendre si tu fais un parcours parfait. Ben, le parcours parfait, il a presque été fait une fois en 10 ans. Le Standard a presque une fois fait un parcours parfait en 10 ans. Voilà. Pour le reste... Et ik heb het niet gezien, ik heb de match niet gezien. Ik heb de uitslag gezien, dus oh ja, dat is indrukwekkend. Hè, ja. Ik denk dat het voor hen... het feit dat Gent niet gewonnen had, het feit dat de Anderlecht verloren heeft, ik denk dat dat de ideale manier was van oké, jongens, we hebben niets te verliezen. Hè. Ze zijn niet dichter gekomen, allee, kom maar, laat ons nu weer... En dan scoren je na 40 minuten en oké, ja, dan lopen ze erover, hè, want het was 6-0, maar ze hebben denk ik nog 5 of 6 kansen gehad dat 12-0 kunnen zijn, ook bij manier van spreken. Hè. Dus ik heb de samenvatting gezien, ja, ze waren veel beter, hè. Ze waren veel te goed, hè. Dus... Maar ik zeg het, de druk en de twijfel die er eventueel had kunnen zijn, die was er maar geweest, denk ik. Hadden wij gewonnen in Standaard en hadden wij op gelijke hoogte gekomen, dan hadden ze voor de wedstrijd wellicht wat meer zenuwen gehad. En nu liep het, waren de uitslagen voordien eigenlijk ideaal. Zou je liever hebben dat Club Brugge het weekend wint van Standaard dan Standaard? Maar het maakt eigenlijk allemaal niet uit. Het zou goed zijn... Moesten we nog één keer, wij of Gent of wie weet ik, liefst wij natuurlijk, moesten we toch nog één keer de kloof een beetje kleiner kunnen maken. Hè? Van de andere kant inderdaad zijn dat Club Brugge heel snel kampioen is. En oké, ja, dat haalt dan de spankracht bovenin een beetje uit de ding. Dus het zou wel goed zijn, moesten we er nog in slagen om toch nog één keer ergens wat dichter te komen. Maar finaal gaat Brugge toch kampioen zijn, dat is dat geen twijfel. Kampioen worden tegen jullie. Is dat een doemscenario dat jullie dat op terugmijden? Maar nu moet je wel een keer je rekening hermaken. Als wij twee keer winnen, dan kunnen ze nooit geen kampioen worden tegen ons, denk ik. 6 punten? Ja. 6 punten? Ja, toch wel, als ze winnen. Als ze winnen, dan blijven er nog 3 matchen en wij moeten er 10 in halen. Ja, dat is wel. Dat gaat een punt. Is een doemscenario dat absoluut te vermijden valt? Oh nee, ja. Wij gaan er alles aan doen om te proberen onze punten te pakken, want we willen die tweede plaats. Dus we moeten proberen van zoveel mogelijk punten te pakken in de komende wedstrijden. En, dat Brugge 6 op 6 al, dat is mogelijk. Hè. Ik weet niet, het is Standaard thuis en dan naar Genk, denk ik. Dus dat is mogelijk, hè, dat ze 6 op 6 pakken. Dus zelfs als wij dan ook 6 op 6 pakken, dan kan het inderdaad in die match gebeuren. Dus,
Nu ga ik niet pleiten dat Gent toch wel alsjeblieft punten pakt, omdat Brugge geen kampioen zou kunnen zijn. Nee, ik kijk naar onszelf. Hè. Dus, wij moeten nu vol de strijd aan gaan voor de tweede plaats. En dat zal lastig zijn en dat zal duren tot wellicht de laatste speeldag. Il faut avoir beaucoup de respect pour un entraîneur qui s'est resté 22 ans en place. C'est peut-être aussi un exemple pour les dirigeants en Belgique, hein. Les dirigeants de Saint-Trant par exemple, si vous commencez quelque part. C'est le grand problème en Belgique. Je sais bien que M. De Witt a dit qu'il voulait continuer 20 ans avec moi à Gand. Mais je crois qu'en Belgique, c'est très difficile parce que dès qu'il y a un peu de doute, on met des questions tout de suite sur l'entraîneur qui est en place. Je crois que la direction, et ça c'est peut-être la plus grande raison, parce qu'Arsène Wenger, il a quand même eu le vent, pas cette année, pas l'année passée, pas les quatre années passées, mais depuis déjà 7-8 années, il reçoit le vent en plein visage. Il est grand, il est plus grand que moi, donc c'est logique, quand tu es grand, tu prends beaucoup de vent. Mais sa direction, ses propriétaires, ils ont toujours, sont restés derrière lui, ils ont dit non, 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 il reste, on ne change pas. Même les supporters sont rentrés, se sont mis contre lui, et là encore, les dirigeants, il y a un exemple, en Belgique, il y a Zoetewaregem, hein, où Zoetewaregem prend 3 sur 40, je crois, et où la direction de Zoetewaregem a déjà fait savoir que même si on va en division 2, même si on va en division 3, ce sera encore avec Francky Dury. Et il y a encore un journaliste qui a écrit « Dury doit sortir, Dury doit sortir ». Ils se sont arrêtés tous. Ben, c'est un exemple pour les autres clubs, pour les autres directions, je crois. Mais voilà, ça n'arrive pas très souvent dans le football, ni belge, ni en Europe, hein. Donc, chapeau pour ce qu'il a mis en place. Honnêtement, comme tout le monde, peut-être ça a duré un peu trop long. Voilà, mais ce n'est pas à nous de juger ça. C'est ses directeurs, c'est ses propriétaires qui doivent juger ça. Finalement, il y a une fin, une histoire très longue. Donc, en Angleterre, ça se fait encore. Hein. Il y a eu Ferguson, tellement long. Il y a eu Wenger maintenant. Donc là, ça arrive quand même. Dans le temps, ça arrivait encore. Beaucoup plus maintenant avec tous les propriétaires étrangers aussi, ça change un peu. Mais voilà, je crois qu'il a monté des bonnes choses, certainement dans les premières années, il avait des top joueurs. Ça, il a quand même toujours su faire, chercher des jeunes talents. Malheureusement, ça n'a pas réussi à prendre vraiment des prix à la fin, dans une compétition qui devenait de plus en plus difficile. Hein, parce que l'argent est rentré à Chelsea, l'argent est rentré à City. Il y a d'autres clubs qui sont venus dans le coup, donc ça devenait de plus en plus difficile pour prendre des prix. Donc. Je crois qu'il a une super carrière. Hein. Je ne sais pas ce qu'il va faire maintenant, à son âge. Je ne crois pas qu'il va encore commencer chez un autre club. Donc, Et pourquoi pas vous, Anderlecht, à 20 ans? Moi, 20 ans à Anderlecht. En Belgique, difficile. Si déjà à Gand, c'est difficile, à Anderlecht, c'est encore plus difficile. Maar iedereen schiet op Gonvola. Gonvola heeft, wat heeft hij gespeeld, 25 minuten, 30 minuten. En ik denk dat hij meer keer aan de bal is geweest dan Theo. Hij is twee keer in een gevaarlijke positie gekomen. Oké, hij scoort niet. Ja. Theo heeft een match gespeeld waar we hem niet gezien hebben. Dat heeft hij ook toegegeven. Dus ja, oké, dan kan je wel zeggen, ja, Gonvola hier, Gonvola daar. Maar uiteindelijk is hij wel betrokken in het gegeven en wint hij wel duels. En hij zei, onze tweede targetspits, ja, dat is nu eenmaal een gegeven. Dus wij weten dat we met een dunne spoeling zitten. En dat we beperkt zijn in een aantal spelers. Maar ja, we hebben vertrouwen. Gonvola heeft ook al gescoord. Het is een eerste match bij ons. Dus ja, als Theo niet speelt, dan gaan we het oplossen. Hè. Dat is duidelijk. We moeten ook rekening houden met andere elementen. Hè. Ik heb ooit nog met Hanni als diepe spits gespeeld. En dat kan je alleen maar als je dan voldoende gestalte in je ploeg hebt. Hè. Als je achteraan echt 3 kopbalsterke verdedigers hebt, dan is dat misschien mogelijk. Nu zitten we momenteel qua gestalte heel, heel beperkt ook. Dus moest Theo niet fit geraken en dan kies je om niet met Gonvola te spelen.
Ja, dan zit je qua gestalte heel, heel, heel beperkt. Hè. Dus dat zijn elementen waar je als coach altijd rekening mee moet houden. Dus ook al hebben fans en media, zien ze liever die en die en die speler. Uiteindelijk bestaat er zoiets als stilstaande fases ook, die in voetbal heel belangrijk zijn. Dus daar moet je daar ook rekening mee houden, omdat je zeker voldoende centimeters in je ploeg hebt om een ploeg zoals Genk, die ook sterk is op stilstaande fase, met een paar heel goed koppers, om daar toch weerwerk te kunnen tegenbieden. Hè. Pardon? Non, Spajic s'est entraîné individuellement, donc il faut voir, je crois pas que ce sera déjà pour demain. Mais voilà, ça commence d'aller petit à petit un peu mieux, mais pas encore ce qu'on espérait, que ça allait très vite, mais c'est logique, hein, parce que au début on avait parlé du mois de mai, hein, donc on est que le 19. Oui, 18. Le 20. Oui, le 20. Voilà, il reste 10 jours encore en avril. Donc. Nos frères, plus de questions. Merci. J'ai essayé.